Les signards, s'il vous plaît. Le pont Federve est plus qu'un pont. C'est une silhouette, un monument, un emblème indissociable de la ville de Saint-Louis. Connu dans tout le Sénégal et même au-delà, ce véritable symbole est aussi simplement un pont, mais pas n'importe lequel. Un ouvrage d'une longueur de 506 mètres, reliant l'île Saint-Louis au continent. Un équipement majeur, emprunté chaque jour par 19 000 véhicules, 21 000 piétons, en tout près de 80 000 utilisateurs quotidiens, sans compter des tonnes de poissons et de marchandises. Une construction datant de 1897, considérablement vieillie, ayant perdu l'usage de sa travée tournante et dont la structure métallique familière montre depuis des années d'inquiétants signes d'usure et de délabrement. Un pont devant absolument être réhabilité. En février 2005, le président Maître Abdoulaye Wade et le président Jacques Chirac décidèrent que le Sénégal et la France coopéreraient pour financer le projet. Alliant son savoir-faire à celui d'Eiffage Construction Métallique, Eiffage Sénégal fut choisi par Agiroute et l'Agence française de développement pour mener à bien la rénovation complète du pont Federve. Au programme, le remplacement des 7 travées, le renforcement des piles, le déplacement du réseau électrique, la mise en place d'un nouvel éclairage, sans oublier de redonner au pont la capacité de s'ouvrir afin de libérer la navigation sur le fleuve. Il s'agissait ni plus ni moins que de mener une lourde intervention en plein cœur de la ville, un véritable pontage coronarien pour changer la vieille artère vitale de Saint-Louis et mettre à sa place une toute neuve, avec pour impératif de n'interrompre la circulation s'écoulant par cette artère que le minimum de temps possible, en tout cas, jamais plus de 24 heures. Pour les besoins de l'opération, Eiffage Sénégal commença par aménager sur la rive du fleuve, côté continent, un vaste espace. En amont du pont, l'air servira à déconstruire les anciennes travées. En aval du pont, les différentes pièces fabriquées en France par Eiffage Construction Métallique et convoyées jusqu'à Saint-Louis seront assemblées pour constituer les nouvelles travées. Le 25 juin 2010 marque une grande date. Ce jour-là, après de longs travaux préparatoires, le pont commence une nouvelle carrière devant la foule des Saint-Louisiens. Les hommes d'Eiffage Construction Métallique désolidarisent du pont sa première travée. Ils la ripent en amont, puis à sa place en moins de 24 heures, ils ripent une nouvelle travée, peinte, protégée contre la corrosion, parée de son revêtement de roulement, la première des sept. À peine un mois après son aîné, c'est au tour de la deuxième d'intégrer le rang. Renouvelant point par point la méthode qui avait parfaitement fonctionné pour la première, les équipes effectuent la substitution. Durant 24 heures, les habitants de Saint-Louis sont contraints d'utiliser des pirogues pour traverser le fleuve. Mais dès la fin de la pause, comme à chaque fois, ils peuvent reprendre leurs habitudes et à nouveau emprunter le pont Federve. De leur côté, les hommes d'Eiffage Sénégal retournent se pencher sur le fleuve. Parallèlement à la mise en place des travées, ils ont entrepris de consolider chacune des piles du pont. Elles réclament que soit descendue à leurs pieds une jupe métallique pour couler une enveloppe en béton armé de 60 cm d'épaisseur, renforcée pour certaines par des micropieux. Elles exigent des plongeurs particulièrement expérimentés, capables de réaliser des travaux maritimes par 12 mètres de fond, avec des courants balayant le fleuve dans un sens, puis dans un autre, selon les profondeurs, dans une eau si turbide qu'on n'y voit quasiment rien. Le recours aux plongeurs est également nécessaire pour protéger les piles contre l'érosion, en posant sur le lit du fleuve des gabions de 6 mètres de long et 2 mètres de large. Pendant ce temps, sur la rive du fleuve, une troisième travée piaffe d'impatience, dans l'aire d'assemblage où on achève de la préparer. Apparemment, rien ne semble la distinguer des précédentes. Pourtant, avec elle, tout change. Les deux premiers remplacements ont été effectués sur la terre ferme. Celui-ci va l'être sur le fleuve. Dans cette perspective, quatre barges ont été spécialement fabriquées à Saint-Louis. Alors qu'une travée pèse 450 tonnes, chacune d'elles peut supporter une charge de 850 tonnes. Fonctionnant sur le principe du ballast, elle s'abaisse ou s'élève sur le niveau du fleuve, simplement en se remplissant ou en se vidant d'eau. Le 18 septembre 2010, il est environ 2h du matin, lorsque, profitant de la marée basse, deux barges, fortement lestées, sont glissées sous la travée qu'elles doivent retirer.
Avec la marée, les barges montent. Peu à peu, elles prennent en charge la travée. Puis, délestées, elles s'élèvent encore plus afin de soulever la travée et l'enlèvent du pont. La place est libre. La nouvelle travée en profite. Charriée par ses propres barges, elle est minutieusement positionnée jusqu'à se trouver exactement dans l'alignement du pont. Il est 6 heures du matin. La marée est haute. Dans l'immédiat, il n'y a plus qu'à la laisser redescendre tranquillement. Midi, la marée est basse. Tout le monde est sur le pont. Il s'agit maintenant de remplir les ballastes des barges afin d'abaisser encore la travée nouvelle pour, centimètre par centimètre, l'amener très précisément juste au niveau du pont. La jonction est réussie. Au rythme d'une environ tous les deux mois, une quatrième, puis une cinquième travée vont être changées, toujours en employant la même méthode. Un beau jour, vient le moment de remplacer la sixième travée. Celle-ci se distingue vraiment des autres. C'est la travée tournante, celle qui permettra d'ouvrir à nouveau le fleuve à la circulation. Sa partie centrale, celle qui lui permet de pivoter, ne pouvait être assemblée sur place. Elle devait être fabriquée d'un seul tenant. Une seule usine en France, celle des Fages Construction Métallique à Lauterbourg, en avait la capacité. Sur une barge de Lauterbourg à Anvers, puis dans un cargo d'Anvers à Dakar, la précieuse pièce a gagné Saint-Louis par la route, déclenchant tout au long de son parcours un formidable engouement. La star doit maintenant rentrer dans le rang et, comme n'importe quelle travée, prendre deux barges, se laisser soulever, puis abaisser au gré des marées et des ballastes. Mais autour de la Diva, les hommes sont sous tension. Sa mise en place est délicate. Elle nécessite trois points d'appui et non deux comme les autres. Le moindre écart et la capricieuse vedette ne tournera pas. Le suspense est réel. Saint-Louis retient son souffle. Le 5 mars 2011, la travée tournante s'ouvre. Saint-Louis respire enfin. En même temps que la nouvelle travée, s'ouvrent de nouvelles perspectives de développement commercial, économique et touristique. Un volet essentiel de la mission, confié à FH Construction Métallique, vient d'être rempli. Mais pour autant, la rénovation du pont Féderbe n'est pas achevée. FH Sénégal doit à présent s'occuper des réseaux. Afin de ne plus gêner l'ouverture et la fermeture du pont, les conduits et les câbles vont être désolidarisés du tablier et traverser le fleuve à la nage, chacun de son côté. Tandis que la conduite d'eau a été posée en amont, trois câbles d'une puissance totale de 33 kW sont tirés en aval. Lestés tous les 20 mètres, accompagnés de plongeurs, ces câbles doivent accomplir une traversée de 750 mètres sous l'eau avant de reprendre pied sur l'île. C'est une première au Sénégal. Courant désormais sous le fleuve, l'électricité n'abandonne pas totalement le pont, bien au contraire. Afin de mettre en valeur toute la beauté de ce chef-d'œuvre de l'architecture métallique, d'offrir un meilleur confort, une meilleure sécurité à ses usagers, l'éclairage est complètement refait. Il ne manque plus grand-chose au pont Féderbe pour être enfin totalement remis à neuf. Juste une travée, la septième, la dernière. D'un point de vue technique, sa pose ne se distingue pas vraiment de celle des autres. D'un point de vue émotionnel, il en va tout autrement. La rénovation du pont Féderbe a beau avoir été marquée par de nombreux moments forts, jamais le plaisir et la satisfaction n'avaient été aussi intenses. Jamais la fête n'avait été aussi belle qu'en ce 23 juillet 2011. Ce jour-là, un nouveau pont Féderbe est né. Il conserve sa silhouette légendaire, mais désormais, l'artère vitale de Saint-Louis est toute neuve. Les femmes et les hommes d'Eiffage Sénégal et d'Eiffage Construction Métallique sont particulièrement fiers d'avoir réussi ce délicat pontage en plein cœur de Saint-Louis. Voilà. Pourquoi on est pas en train de se présenter à la Wade? Fortolu da ngay def ay alhamdullilah rabbil alamin ñu war kay ñaanal yalla si ajoute que su fekke Dakar moy capitale Sénégal deuxième ville bi légui ñun la bo démé Pikine tawatul bo démé Léona tawatul bo rembé pécélé xalé yaangi tok ci mbéddi l'éclairage suit nous avons la deuxième ville ak mo upp infrastructure à part Dakar koku jarna sante yalla jarna en Saint-Lucien. Nous sommes présents dans le public, tout le temps. Nous sommes là pour nous faire des choses. Nous sommes là pour nous faire des choses. Nous sommes là pour nous faire des choses.
nous gërëm ko ñu sant ko teranga ju nek am na ko waye bëgg na fi ngeen defal ko lo xamé li teranga di bari ci adina bi yépp lu muy gis fi mos ko gis ndax dañ kay bot rogamti ka ñaaral ka yalla mu gudd fan dess ak ñun monsieur le maire de la ville de saint louis bala ngay ñëw ma ñaan mam fagay ba doomu ndar bu mag bi mu génné signar yi mam fagay doomu ndar la waye mi ngi basé dakar fi nak la jàngé ñëw signar ya ngok ndaysan xol len signar yi nongi dox sen doxinu nat japp sen jamour dika temp na takku sanu ndar waaw sukk de ci nar la fekk baax C'est un défilé qui remonte l'histoire depuis l'époque coloniale. Tout y est, la finesse, la beauté, les règles de civilité, le charme, l'élégance, la naissance, l'opulence. Masha'Allah. Yore Jeff, d'où est-ce que vous avez dit? Suñu paré nak duñu dem dañuy taxaw fi Cheikh Kilifa yi nek ci ko tribune bi orné tribune officielle bi dénga lolu moy jigen waye def nga luñu deful ya talampi yakali senegal defarat famille defarat université yi defar corniche bi indi waterout payas bi def nga luñu deful de president def nga luñu deful wacc ma dal na la worul ku dal ngaw ngay fete do sen morom gor gi do sen morom gor gi do sen morom gor gi do sen morom def nga luñu deful de eh wax ak def lay ben bay len ñu wax ngay def rek Filmez, s'il vous plaît. Je suis venu à la maison de la maison. Je suis venu à la maison de la maison de Sénégal. La Mauritanie, il y a beaucoup de morts à Saint-Louis. Ils ont une pomme qui a une pomme. Ils ont une pomme qui a une pomme. Il y a une fille de Kidi. Tim, il y a une pomme qui a une pomme. Mais il y a une pomme qui a une pomme. Il y a une pomme qui a une pomme. Quel monde fait ça? Pourquoi pas que nous sommes dans l'idée? Baille les nuages, n'est-ce pas? Ah, monsieur le maire, boy, bagage. Ça défile toujours. N'a pas ramené Talibem Saint-Bamba. A Talibem Saint-Bamba, tu sais, Bamba, ça nous fait. Monsieur le maire, baille l'eau, boy, tu vois que Saint-Bamba, tu sais. Le défilé de Mam Fagay Ba, la Saint-Louisienne. Ndarangi. Xam nga ni wax ak def lu benn de. Ousmane Bengende Ndalangi Awa Bengende Cheikh Tidiane mang mu bax mi c'est le défilé de Mam Fagay waxone def nako la petite fille de Cheikh Yoni Marguey les Saint-Louisiens connaissent bien c'est une maison historique wa deug lolu la dor len won ray bi du fi am
waye yow ya fi def pom bi la ba borom da ne jambar da non ray bi du am waye ya def pom bi ku bëgg rew mi nonu ngay def la ba borom da ne jambar ngone me ci tend jor ay sa mukhli jak fatma ko sa ndak jor ñoñu dañ ñewon dara lu fi am yow ya fi def dara La voilà, Mme Fagay, venez, on va vous présenter à Monsieur le Président de la République. Mettez-vous devant. Voilà. On applaudit Mme Fagay Ba. Mme Fagay Ba, doit mon arbitre.